Monsieur Griffaud, bonjour. Donc, vous êtes brouilleur de cru. Alors, je suis brouilleur de cru. Alors, j'ai commencé en 1966. Oui. Pour la première fois. Mais avant, je l'avais fait quelques années au préalable pour remplacer mon grand-père qui était âgé. Mm-hmm. Et puis après, il y a eu une interruption parce que j'étais au service militaire en, ouais. en 64, en 65 et 66. Mm-hmm. Et puis depuis 66, je distille dans le département du Lot-et-Garonne que j'ai d'origine. Après, je suis allé en Gironde et puis je suis ici aussi en Dordogne. Alors, comment ça se passe? Parce que on vous demande de venir, vous proposez vos services, comment ça fonctionne en fait? Alors, le privilège des brouilleurs de cru a été instauré depuis 1802 par Napoléon. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'autrefois, personne n'avait le droit de distiller et tout le monde avait son alambic clandestin. Ouais, d'accord. Alors, Napoléon a dit il faut supprimer tous ces alambics, mais comment il faut faire? Mmh. Alors il a eu l'idée d'instaurer le régime des brouilleurs de cru par des brouilleurs de métier, des brouilleurs ambulants. Mmh. Et de ce fait, la qualité s'était bien améliorée. Oui. Et par conséquent, tous ces alambics clandestins ont disparu. Ouais. Et depuis 2002, tout le monde peut maintenant distiller, dans la mesure où il est récoltant, pour pouvoir faire leur 1000 degrés de devis à la campagne. Voilà. D'accord. 1000 degrés, donc ça fait... ça fait 20 litres de devis à 50 degrés. 20 litres à 50 degrés, évidemment. Voilà. Oui, c'est pas énorme. Quand même. C'est pas... Non. Et alors là, vous vous déplacez donc de village en village ou comment ça se passe? Alors, je viens à Fouayrol. C'est un petit peu le centre de cette zone de la Dordogne, mm-hmm. Port-Sainte-Foy, tout ça, le Flair, enfin, tout le monde vient ici. Mm-hmm. Je regroupe une dizaine de communes encore là autour pour faire 24 ou 25 brouilleurs de cru. Alors sur les 24 ou le 25, il y en a 10 qui ont le privilège, il y en a 15 qui paient les droits, les impôts, les arrivants. Alors, ceux qui ont le privilège, c'est-à-dire qu'eux, ils ne payent pas? Alors, eux ne payent pas de taxes, mais ouais. Ce sont des bouilleurs de cru qui ont plus de 80 ans. Ah oui, d'accord, oui. Et après, leurs descendants paieront la taxe. Alors, les descendants paieront la taxe. D'accord. Alors donc, là, ici, dans cette ferme où nous nous trouvons, c'est une ferme, je suppose, hein. Oui. Les gens sont prévenus à l'avance et ils vous amènent quoi alors? Voilà, la matière alors, première. Ici, c'est un lieu qui est bon, qui existe d'une vingtaine d'années à peu près. Mm-hmm. Il y a eu l'accord du propriétaire, bien sûr. Bien sûr. Il y a eu l'accord du maire, mm-hmm. bien évidemment, parce que c'est lui qui commande. Ouais. Et puis après, il y a l'accord des services des douanes qui correspond tout à fait à un endroit précis. Il ne faut pas qu'il y ait de chiens tenants, ce qui est le cas ici. Ouais, ouais. Voilà. Alors, le produit, c'est du vin, ouais. ou c'est des jus de fruits? Ah d'accord. Alors, ici, il y a beaucoup de jus de prunes, de prunes ou de pommes. Ah d'accord, c'est carrément du jus de fruits. Du jus de fruits, quoi. Voilà, du jus de fruits. D'accord. Et alors, mon style d'alambic, c'est un armagnacé. Oui. Je ne fais que le liquide. Je ne demande que le liquide. Parce qu'il y a des alambics à charge où on met le mar ou la marmelade de fruits. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, oui, d'accord. Oui, la matière première, c'est le liquide. En fait, le matin, vous arrivez, il faut allumer le feu d'abord. Voilà. Le matin, vous arrivez, on allume le feu. Alors, le feu, il se met donc. Attendez. Alors, voilà le tas. Il n'est pas tout à nous, voilà. Il y a le propriétaire. Ouais. Ah oui, le tas de bois qui est conséquent quand même. Là. Donc, le feu se met là. Voilà. Après. Alors après ça chauffe, il faut une heure et demie à peu près le matin avant que ça soit en condition de commencer. Mm-hmm. Après on met le vin donc là-haut ou le jus dans le bac. Voilà. D'accord. Le vin il descend après par ce tuyau. Ouais. Et là il se règle automatiquement. Il se règle, c'est-à-dire. Il se règle. Ou la vanne s'ouvre, ou elle se ferme, suivant la température. La température. Ah d'accord. Voilà. Et après, ça rentre dans cette partie-là. Voilà. C'est la colonne de distillation où il y a des tubes. Mm-hmm. Et là, il y a 36 tubes. Alors le vin passe dans les tubes. Ouais. Et à l'extérieur des tubes, il y a la vapeur. Ah oui, d'accord. Alors, c'est la vapeur qui fait chauffer le vin. Et quand le vin est chaud, passe par ce tuyau là-bas, ouais. et il descend dans la colonne de distillation.
D'accord. Alors, la colonne de distillation, ce sont des plateaux où il y a 4 cm de vin. Mm-hmm. Il passe par cette cheminée, et ça là, et ainsi de suite, et le vin descend. D'accord, d'accord. Et là, il y a une capacité de 200 litres. Mm-hmm. Quand c'est chaud, à 105 degrés, ça envoie la vapeur par les cheminées et renvoyée dans le vin par les barboteurs, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que la chaleur fait évaporer l'alcool, l'alcool monte. Ouais, ouais, d'accord. Passe par le col de cygne, parce que ça a la forme d'un col de cygne. Oui, d'accord, oui. Et là, ça va dans la rectificatrice. Alors en bas, ça se bonifie, ça prend du degré. D'accord. On appelle ça la rectificatrice. Mm-hmm. Et après, ça passe par un petit serpentin, où ça commence déjà à refroidir. Mm-hmm. Et ça envoie les vapeurs là, dans le chauffe-vin, à l'extérieur du tube. C'est-à-dire que la vapeur chauffe le vin, comme je vous disais tout à l'heure. Mais le vin refroidit et piège la vapeur et refroidit la vapeur. Alors après, ça coule ici, les vapeurs sont refroidies et ça coule là. Alors on appelle ça une éprouvette. Ouais. Et pour contrôler de vie, il faut un alcoomètre, un thermomètre avec une table de rectification. D'accord. Et ça s'en va dans le double décalitre. Mmh. Voilà. Donc ça, là, le produit qu'on voit là, c'est... Voilà, c'est l'eau de vie. C'est de l'eau de vie, carrément. Qui coule, ça je l'ai. C'est le pays, ça quand même. Il y a bonne ambiance là. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Thank you.